j'adore faire la cuisine. Oh, mais... Je supporte plus tracassin. Ça fait vraiment du bruit, c'est insupportable. Eh bien, je vais pas vous raconter des salades, c'est les petits engrenages qu'il y a dedans qui font du bruit. Eh bien, ça tombe bien, parce que notre partenariat avec TDS Vibratech, justement, se préoccupe de ces nuisances sonores. Hein ? Alors, pas que pour l'inquiétude des cuisines ou des ménages, mais aussi on s'intéresse aux boîtes de vitesse, par exemple. Bon, en bref, contre le claquement de dents, notre slogan, c'est « Même pas peur ». Et on a des stratégies de combat, je vous le dis. Comprendre les phénomènes, tout d'abord. Eh bien, les engrenages, ça tourne jamais rond. Hein ? Et vous savez pourquoi ? Parce que les dents, elles sont jamais bien taillées. Voilà pourquoi. Hein ? Eh bien, donc... Oh, mais vous savez, vous allez me dire, on les voit pas beaucoup, ces petits défauts. Oui, ça, je sais, mais je vous mens pas, hein. Je suis pas un arracheur de dents, moi. Eh bien, ces petits microns, là, qui sont à la denture, vous savez, ces petits microns, eh bien, ils vont faire tout branler, voilà, des axes jusqu'au carter, et puis ça vibre comme ça, vous voyez, hein. Et quand c'est 1000 fois par seconde, bah, ça en fait rudement du bruit, je vous le dis. Mais faut pas croire, modéliser ces petits défauts au niveau de la denture, et puis en même temps, eh bien, la réponse du carter à l'échelle du mètre, c'est rudement compliqué. Eh bien, en tout cas, au laboratoire, on a mis le doigt dans l'engrenage. Et je vous le dis, eh bien, on les a faites, nos belles équations, avec les méthodes qui vont bien. Résultat, eh bien, c'est pas des jours de calcul, c'est des minutes seulement. Voilà. Alors, je vous le dis maintenant... Pour que Vibratech puisse faire du conseil, eh bien, on l'a fait, la plateforme logicielle. Eh oui, eh oui. Et donc, avec cette plateforme de logiciel, on a même transmis les connaissances. Et c'est dans l'esprit du Carnot, tout ça. Hein ? Eh bien, maintenant, ils ont les connaissances pour faire tourner l'outil. Et voilà. Et moi, je vous dis que c'est un vrai succès, ce partenariat. D'ailleurs, pour preuve, eh bien, les industriels... Vous voyez, ils viennent maintenant nous voir pour régler leurs problèmes. Eh oui, exemple, EDF avec ses installations en centrale nucléaire. Et on a même transformé l'essai avec l'adage laboratoire commun. Hein. Et dans ce cadre-là, eh bien, on a une doctorante qui travaille actuellement sur des engrenages très spéciaux. Et ça me plaît bien, ces engrenages spéciaux, parce qu'ils sont là-dedans. Alors ça va régler mes problèmes de bruit de cuisine. Bon, alors je sais pas vous, mais alors là, j'en ai plein les dents, hein, j'en ai plein les dents. Alors, eh ben, je vais conclure, hein, sans mâcher mes mots, hein, avec ce bel adage qui vient en graines, bien fini.